Salutations tout le monde! Dans cette capsule-là, on va parler d'un dossier qu'on a beaucoup entendu parler au cours des dernières années, mais qu'on va, je pense, entendre parler encore plus dans les prochaines années, les espèces envahissantes de nos plans d'eau. Particulièrement la moule zébrée, la myriophile à épi, mais il y en a d'autres aussi. Je suis en compagnie de Guillaume Chrétien, aménagiste à la MRC Témiscouata. Donc, on va un peu parler plus spécifiquement de la moule zébrée dans cette capsule-là. Oui, oui. D'abord, quelqu'un pourrait se poser la question, quelqu'un qui n'est pas familier, qu'est-ce que la moule zébrée et d'où ça vient? Effectivement. Bien, écoute, la moule zébrée vient de l'Europe de l'Est, de la mer Caspienne, de la mer Noire. Elle a été... Puis cette espèce-là est venue dans les Grands Lacs il y a une trentaine d'années par les eaux de ballast avec les gros navires. Et tranquillement, pas vite, des Grands Lacs, la moule zébrée s'est répandue au Québec, principalement dans le fleuve Saint-Laurent, dans quelques lacs au sud du Québec. Et malheureusement, depuis septembre 2022, nous avons découvert que cette espèce exotique envahissante dans le lac Témiscouata. OK. Fait qu'à partir de là, ici, vous avez adressé le problème. Il y a des mesures qui vont s'en venir avec ça. Encore une fois, pour les gens qui sont moins familiers avec ce dossier-là, quelles sont les conséquences d'avoir la moule zébrée dans un plan d'eau? Donc, la moule zébrée, c'est une espèce exotique envahissante qui est très agressive, ce qui veut dire que quand elle s'implante dans un lac au Québec, par exemple, il n'y a pas de prédateurs qui viennent pour contrôler cette espèce-là, ce qui veut dire qu'elle s'implante de manière très densément dans les plans d'eau. Ça vient perturber tout l'écosystème. Et dans le cas du lac Témiscouata, ça favorise même donc l'agrandissement des herbiers de myriophile à épi, qui est une autre espèce exotique envahissante. Fait que c'est deux espèces qui travaillent très bien ensemble en perturbant l'eau, puis on ne rentrera pas dans les détails, dans le fond, de tout le processus interne de l'eau, mais la moule zébrée filtre l'eau, dont le zooplancton et le phytoplancton, qui est la base de nourriture de plusieurs poissons, dont plusieurs qui sont très pertinentes pour la pêche sportive. Donc, déjà, ces premiers impacts sont tant écologiques, mais économiques aussi. En venant voir sur le moyen terme, on peut parler de 5-10 ans potentiellement, parce qu'on n'a pas nécessairement de précision pour le lac Témiscouata, mais il va y avoir certainement un certain débalancement dans la chaîne trophique du lac Témiscouata. OK. Fait que ça a des conséquences à ce moment-là sur tout l'écosystème, toutes les espèces qui vivent ici et tout ça. Puis je pense qu'une fois qu'elle est établie puis qu'il y en a beaucoup, ça peut avoir des conséquences aussi sur nous, les humains, au niveau de nos installations et tout ça. La moule zébrée a plusieurs impacts sociaux, je pourrais dire, dont les usages. Ce qui veut dire que cette moule-là se colle sur tout ce qui est infrastructure solide, donc tout ce qui est fond rocheux, mais aussi tous les quais, tous les bateaux qui passent leur été dans l'eau. Ça peut rentrer dans les pieds de moteurs, puis surtout toutes les prises d'eau, donc des municipalités, puis même des riverains qui s'alimentent en eau. Donc cette problématique-là apporte des coûts de gestion que nous n'avons pas pour l'instant dans le lac Témiscouata puis au Témiscouata, mais dans certaines municipalités du sud du Québec, des coûts qui peuvent être de plusieurs dizaines de milliers de dollars par année afin de gérer puis de déloger la moule, dans le fond, des conduits d'eau pour l'alimentation de la population. Puis aussi, une autre problématique qui est aussi sociale, c'est que la moule zébrée va sur des fonds rocailleux, dont les frayères à poissons, pour le lac Témiscouata potentiellement, les frayères atouladies. Ça peut venir perturber encore plus la dynamique de cette espèce-là dans le lac Témiscouata, tant pour l'espèce que la pêche qui est faite. Puis actuellement, tu me corrigeras si je me trompe, mais je pense que dans ce dossier-là, il se fait de la recherche actuellement, mais on n'a pas vraiment trouvé un moyen, une fois que c'est bien installé dans un plan d'eau, de contrôler ou d'éradiquer la moule zébrée. Effectivement, la vulnérabilité première des lacs vient du taux de calcium qu'on retrouve. Puis le lac Témiscouata, la MRC de Témiscouata se retrouve dans les Appalaches, puis on a un fond calcaire qui se trouve à être favorable pour le calcium, ce qui veut dire que, de manière générale, dans le Témiscouata, nous avons des lacs qui sont sensibles et vulnérables pour l'introduction de la moule zébrée, qui peut théoriquement se répandre plus facilement que dans d'autres régions du Québec. Par exemple, au nord du fleuve Saint-Laurent. Fait que dans le fond, on comprend que la moule zébrée, amène des conséquences négatives à plein de niveaux, puis qu'on peut difficilement s'en débarrasser. Fait qu'actuellement, vous avez mis quoi en place pour essayer de contrôler ça puis d'éviter que ça se retrouve dans plein d'autres plans d'eau aussi? Là. Bien ça, depuis septembre 2022, donc lors de la découverte de la moule, nous avons mis en place avec les MRC puis les municipalités puis plusieurs partenaires du milieu un comité de travail pour créer un plan d'action qui a été créé en décembre 2022. Puis depuis, on travaille avec les actions de ce plan d'action-là qui a été adopté par le conseil de la MRC de Témiscouata afin de réaliser plusieurs actions, dont la création d'un règlement pour le lavage des embarcations pour les municipalités du Témiscouata,
On travaille aussi sur un processus d'automatisation des stations de lavage afin d'avoir un réseau interconnecté qui se parle pour que si quelqu'un se lave, sort du lac Témiscouata, puisse se laver puis aller dans n'importe quel autre lac de la MRC. On a travaillé aussi sur une campagne publicitaire dans les médias sociaux, dans les radios, dans les journaux aussi, afin de vraiment sensibiliser. Puis ça fait déjà 2 semaines que cette campagne-là donc, se trouve en route. Puis on a déjà plus de 10 000 personnes d'atteinte avec cette campagne-là qu'on fait. Donc, le travail fonctionne. On nous en parle beaucoup de manière générale, la population aussi. On a senti vraiment, avec l'introduction donc, de la mousse zébrée, un élan, dans le fond, pour la protection des lacs, puis de mettre en œuvre les actions qu'il faut afin de se prémunir de la mousse zébrée pour les autres lacs de la région, mais aussi du lac Témiscouata, qui pourrait voir des espèces qui sont encore pires que la mousse zébrée, si elle existe malheureusement. donc tout le travail qu'on fait de sensibilisation, de réglementation, de mise en place du réseau de stations de lavage, puis d'automatisation, d'affichage aussi harmonisé, c'est tant pour le lac Témiscouata, pour d'autres espèces exotiques envahissantes que les autres lacs de la région, pour se prémunir de la mousse zébrée puis du mirifil à épis qui sont présents dans le lac Témiscouata. OK. Fait que c'est vraiment crucial. Puis moi, le message que j'ai le goût de dire là-dedans, c'est que faut que les gens collaborent. Hein? Quelque part, c'est pour vous, là. Hein? C'est pour les résidents ici, c'est pour l'écosystème, c'est même pour la qualité de la pêche dans les années futures. Je comprends que c'est des restrictions, c'est pas nécessairement toujours agréable, c'est des petites contraintes qu'on voudrait pas avoir, mais c'est un dossier super important. Fait que moi, j'ai le dit, on devrait se soumettre à ça sans problème, puis même le faire avec un sourire, parce qu'on protège un joyau comme le lac Témiscouata. Puis c'est vrai pour, en fin de compte, n'importe quel lac, puis ici dans la MRC, pour les autres lacs autour. Fait que la collaboration des gens est bien, bien, bien importante là-dedans. Là. Non, effectivement. Puis, je pense que les auditeurs de votre émission ne seront pas trop difficiles à convaincre de la nécessité d'agir, de réaliser ces actions-là. Mais pour tout usager, pour les riverains des lacs aussi, de voir des mousses zébrées mortes sur les plages, des risques de blessures, des problématiques d'odeur aussi. Fait que ça vient vraiment tout perturber la vie qu'on a des riverains, puis des usages, puis des plages qu'on a sur les lacs qui sont contaminés. Donc, c'est vraiment l'importance pour toutes les actions de base qu'on a l'habitude de faire sur le bord d'un lac, juste qu'elle se baigner, ça a des conséquences donc jusque-là. Ma foi, j'espère que vous comprenez tout le monde l'importance de ça. Puis actuellement, il y a déjà des actions qui ont été faites ailleurs au Québec. On va voir de plus en plus de stations de lavage. Qui sait, peut-être éventuellement une réglementation provinciale là-dessus. Mais là, pour l'instant, je pense qu'il faut faire chacun notre effort pour protéger nos lacs. Guillaume, je te remercie infiniment pour toutes ces informations-là. C'est très apprécié. Puis les gens, bien, je pense qu'on a compris ce qu'on a à faire. Je vais avoir un invité qui aimerait aussi s'adresser un peu plus spécifiquement aux gens ici des lacs avoisinants, puis même du lac Témiscouata. Je suis en compagnie de M. Alain Caron, qui est le maire de Saint-Just-du-Lac. Merci d'être avec nous pour ce petit bout d'entrevue-là. Puis surtout et aussi, merci de votre accueil. Moi, c'est ma 3e visite ici. Puis à chaque fois, on est enchanté de l'accueil qu'on reçoit. Bien, ça nous fait plaisir de vous accueillir, mon cher ami. Là, vous aviez un message qui s'adresse particulièrement aux riverains ici, oui, du lac. Alors, je vous laisse le plaisir de vous entretenir avec nous. Alors, je m'adresse à tous les propriétaires riverains du lac Témiscouata de commander à leurs invités qui viennent de l'extérieur de venir laver le bateau pour éviter la prolifération de la mousse zébrée et aussi de d'autres espèces exotiques envahissantes. C'est très important pour garder notre lac en santé, transmettre à nos générations futures un lac en santé également. C'est vraiment important parce que tous les efforts qui sont faits pour diminuer ou enrayer les risques liés à ça deviennent quasi inutiles si les gens, avec leur rampe de mise à l'eau privée, tout le tour du lac, laissent entrer les gens sans qu'ils aient bien nettoyé leurs embarcations. Puis on parle des embarcations aussi motorisées et non motorisées. Tu sais, c'est ça, c'est important. Laver aussi les bottes, tous les équipements de pêche et tout ça, de faire attention de bien là, éliminer ça, là, puis bien laver ça. C'est très important. Bien voilà, le message est passé. Merci beaucoup encore une fois. Ça me fait plaisir, monsieur. Puis on invite les gens à faire des petits efforts. Hein. C'est pas grand-chose, c'est pas complexe. On le fait pour un paquet de bonnes raisons, notamment pour la santé du lac Témiscouata et des autres lacs au Québec qui peuvent être dans cette situation-là.